Donc, Anna Johaina Gharib, Raïs Jamaat Manouba, ou professeur en management. Assalamu alaikum, un panel la carrière des femmes universitaires. D'abord, est-ce que mon expérience en tant que présidente d'université ou alors mon expérience en tant que chercheur? Bon, des chercheurs universitaires en management, des présidents d'université, il y en a un peu moins. Donc, on a essayé de recadrer, on va essayer de parler de l'expérience d'une femme tunisienne, Tarlet, élue présidente d'université. On a une séance très professionnelle d'ailleurs. Donc, je remercie vraiment Rosa Luxembourg pour le professionnalisme, la rate de faire des rencontres avant pour que les gens se connaissent et ne disent pas la même chose, pour qu'il y ait une coordination. Je trouve vraiment ça très professionnel et je l'avais souligné. Donc, il s'est avéré que si je devais parler de mon expérience de présidente universitaire élue, je pouvais également parler de l'expérience de l'université Mtamannouba. Allez, c'est les troisièmes élections au lycée Roubaix de Thaoura, où ce n'est en 2017, Fijamat Mannouba, on a eu 12 élections de directeurs et doyens, j'ai eu 7 tergels ou 7 tense. Une parité parfaite par les élections. Parce qu'on avait deux autres institutions, ils étaient désignés, mais dans les élections, on va poser la question, est-ce que c'est un hasard ou pas, on a eu vraiment une parité parfaite, sans oublier que l'Istalien Atlatbia avait une parité parfaite. J'avais un vice-président homme, donc vraiment le conseil était une parité parfaite. Donc, on a dit, on a dit, on a dit, et ça m'avait intrigué. Est-ce que c'est un hasard? Au hasard du calendrier, moi je partais 3 semaines après cette rencontre-là, j'étais invitée à Istanbul pour modérer une table ronde autour du même thème. Donc, très bien, je vais aller d'abord entendre ce qui se passe dans les autres pays pour voir s'il y a une spécificité tunisienne. Et ensuite, je viendrai dans cette table ronde pour restituer un peu, pour situer l'expérience tunisienne au niveau international, ça me semble important. Est-ce que les chiffres qu'on présente, est-ce que c'est spécifique et tout? Est-ce qu'il y a aussi peu de femmes dirigeantes d'université ou d'établissement? Est-ce qu'il y a une spécificité? Ou elle, là, c'est quelque chose que se partagent beaucoup de pays? Ou deuxièmement, est-ce que le fait qu'il y ait jamais Atmanouba par les élections soit arrivé à une parité parfaite? Est-ce qu'on peut considérer que c'était quelque chose qui était tout à fait naturel ou elle, là, c'est un hasard? Donc, voilà ce que je vais vous présenter. Donc, en deux temps, la première, c'est un peu ce que j'ai récolté comme information de par la table ronde à laquelle j'ai participé à Istanbul. Et la deuxième, ce ne sera pas un travail très scientifique, mais j'ai demandé aux 6 directrices, donc Yara Fomsi Ali, Choufom Koulmar, la conseil d'université, je leur ai posé des questions. Très simple, sur est-ce que vous pensez que c'est un hasard ou pas, qu'est-ce qui vous a fait que vous vous êtes présenté, quelles étaient les difficultés, et je vais essayer de vous restituer un peu comment les élections de 2017 ont été vécues par aussi bien moi que par 6 autres directrices qui sont aujourd'hui à la tête d'établissements, qui sont des établissements technologiques, Sarah, c'est très très rare, qui est sur un institut d'informatique une femme, et donc dans les sciences humaines et sociales et les sciences dures. Donc, je vais commencer par la première partie. Donc, combien de temps j'ai? Parce que je risque de parler très lentement. J'ai encore 10 minutes, alors je vais aller beaucoup plus rapidement. Mais le constat qu'il y a une sous-représentation dans les instances dirigeantes à l'université, je vous rassure, c'est partout. La spécificité tunisienne, c'est que cette table ronde que j'ai animée, il n'y avait pas d'hommes autour de la table. Là, il y a des hommes. Donc, les hommes sont intéressés peut-être par cette problématique. Ça m'avait vraiment intriguée de me retrouver dans une salle comble à Istanbul, mais il n'y avait aucun homme. Donc, est-ce que c'est un problème féminin entre femmes ou est-ce que c'est une question? Je pense que le fait que vous soyez là, j'espère que ça veut dire également que c'est une question qui est aujourd'hui très, très importante en Tunisie. Donc, le plafond de verre est une réalité partout. Mais il y a deux raisons à cela. Pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas dans les hautes
instances décisionnelles partout dans le monde. Yéma, c'est un problème personnel. Soit elles ne veulent pas, soit elles ne peuvent pas. Donc c'est vraiment quelque chose de personnel. Soit c'est quelque chose de structurel. C'est donc le système qui ne leur permet pas d'y aller. Donc dans les raisons personnelles, il apparaît très clairement que Eliar Jardim, c'est que c'est un manque de volonté et d'ambition de la part des femmes. Elles ne veulent pas. Elles n'ont pas ces ambitions-là. Et d'ailleurs, Jadim a fait les discours. Mais allez, je t'ai mis un avec moi, ça ne m'intéresse pas. Et la deuxième chose, c'est un manque de confiance en soi. Ce qui n'est pas souvent le cas de l'homme. Donc en comparant, il y a ces deux éléments qui apparaissent souvent dans la littérature et dans les discussions. La troisième, c'est que c'est une stratégie volontaire d'autodéfense, de se préserver. Elle sait qu'elle peut y arriver, mais ça va être trop dur et donc je n'y vais pas. C'est vraiment un choix d'autocensure pour s'autodéfendre. Le quatrième point qui est très important et ça va revenir, c'est la difficulté pour les femmes et partout dans le monde à avoir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Ça apparaît beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, c'est toutes les femmes le disent. Il y a aussi un manque d'intérêt tout court, ça ne les intéresse pas. Et il y a aussi que la carrière en soi n'est pas attirante. Donc, les postes de responsabilité vu le contexte. Donc, les postes, ces postes-là, dans certains contextes, n'étant pas très attirants, forcément, les femmes réfléchissent autrement et trouvant que ce n'est pas très attirant, ne se présentent pas. Ça, c'est pour tout ce qui est individuel. Pour tout ce qui est structurel, et c'est là où on va retrouver des choses, les filles, le processus, femme à les élections dans certains pays, ou femme à la nomination. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est une nomination. Ils sont très contents d'avoir des présidentes, mais en fait, c'est des nominations. Donc, ce n'est pas le même enjeu. Par contre, quand il y a des élections, c'est très compétitif. Et le problème, c'est que c'est compétitif et il y a beaucoup de politiques, politiciennes. Or, les femmes, et c'est ce que je vais, ça va être l'une des conclusions, quand elles y vont pour deux choses. Elles sont très pragmatiques. Elles se disent, je veux changer les choses. Elles y vont pas pour le pouvoir. Elles y vont parce qu'elles pensent qu'elles peuvent changer les choses. Et elles veulent changer la manière dont on fait les choses. Elles veulent être pragmatiques, j'y vais parce que je veux faire ça, ça, ça. Elles savent ce qu'elles veulent faire et elles savent que ceci mettra une manière différente d'agir. Or, dans les élections, il y a d'autres choses. Ce n'est pas toujours très propre, disons-le. Dans les élections, il y a حسابات أخرى. D'habitude, elles n'aiment pas, dans tous les pays du monde, ce genre de choses. Et donc, c'est un peu le système très compétitif et très politique fait que c'est plus associé à des valeurs masculines et donc les femmes sont un peu plus handicapées. Le deuxième, c'est le conservatisme et l'aversion au risque dans les universités. Et ça, ça apparaît dans toutes les... Dans toutes les universités, on a beau être aux armes, les sphères les plus, l'élite, notre système, partout dans le monde, d'ailleurs, j'ai hâte à faire discussion, le système est très conservateur, et donc généralement, il faut que, on a souvent tendance à choisir des gens comme nous, et donc, puisqu'il y a beaucoup plus d'hommes, donc il y a beaucoup plus d'hommes qui sortent aussi, parce que le système ne veut pas qu'on change, et donc on choisit souvent les mêmes. Le dernier point structurel, et ça c'est vraiment quelque chose qui est revenu très souvent dans la discussion, c'est que quand une femme échoue, mouchkima quand un homme échoue dans la même situation. Quand un homme échoue, c'est lui qui n'est pas bon. Quand une femme échoue, c'est la femme qui n'a pas réussi à le faire. Donc le fait d'extrapoler tout de suite l'échec d'une femme à la gente féminine fait que la responsabilité est perçue comme étant beaucoup plus importante. Et ça, je l'ai vécu dans les témoignages. Quand les femmes y vont tout en sachant qu'elles doivent montrer beaucoup plus. Parce que n'importe quel échec, ce n'est pas X qui a échoué. C'est parce que c'est une femme d'abord. Quand c'est un homme, ça c'est dans les témoignages. Est-ce que c'est une réalité? C'est des perceptions. Quand un homme échoue, on dit d'abord c'est lui qui a échoué. On ne dit pas que c'est l'homme qui n'est pas arrivé à le faire. Donc, ces normes sociales qui font que les femmes sont obligées de faire plus et que elle, tout échec rejaillit négativement sur toute la gente, fait que la responsabilité est beaucoup plus lourde. Il y a parmi les motivations pourquoi il y a de moins en moins de femmes. Donc pour récapituler, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui
n'ont pas cette ambition-là, il y en a qui n'ont pas confiance. Ça, tout ce qui est individuel. Tout ce qui est structurel, le processus en lui-même est très masculin. Et les codes sont très masculins. Et donc, ça demande beaucoup plus d'efforts pour y aller. Et le milieu étant très conservateur, on a tendance à reproduire toujours et à choisir des gens qui sont déjà dans le système. Ayant peu de femmes dans le système, par définition, il y en a peu qui arrivent. Maintenant, je vais parler un peu de Jamaat Manouba et ce qui s'est passé. Il me reste combien de temps ? 5 minutes. J'ai donc posé la question, les femmes élues, Feljema, pour essayer de comprendre est-ce que c'était un hasard ou pas. Je leur ai posé donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes questions. La première, est-ce que vous pensez que Jamaat Manouba, si c'est arrivé, c'est parce que Jamaat Manouba ou elle est ? C'était une question directe. La réponse a été différente selon les personnes engagées et les personnes qui ne l'étaient pas. Engagé dans la société civile, engagé dans le syndicat, oui, c'est pas un hasard. Parce que Manouba Marouf a certaines valeurs, ou Marouf a. Et donc, ça, elle regorge de potentialités féminines, et c'est pas un hasard que ce soit arrivé pour nous. D'autres profils beaucoup plus scientifiques, que la probabilité, puisque le nombre de femmes est plus important, donc la probabilité était plus importante. Statistiquement, c'était plus important. Donc on voit qu'il y en a qui sont allés pour montrer quelque chose, pour que la femme soit représentée, il y en a qui ne l'ont pas fait parce qu'elles sont des femmes, mais qui se sont retrouvées dans cette situation sans calculer, et qui attribuent cela beaucoup plus à des statistiques, plus à des considérations de chiffres. La motivation, elle est l'argent, c'est vouloir changer les choses, gouverner autrement. Ça signifie que, et ça a été très... Il y a une phrase qui est revenue, qui était pour moi... Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je vote pour les femmes parce que les femmes, elles ne disent jamais quelque chose qu'elles ne feront pas. Quand elles disent, elles font. Et ça, ça apparaît même dans l'image que se font les femmes d'elles-mêmes. Donc même dans les promesses, quand elles promettent, elles vont tout faire pour réaliser cela, quitte à se multiplier par 10 l'effort. Parce que pour elles, c'est important de dire, de faire ce qu'on dit, et de, beaucoup moins que de dire ce qu'on fait. Ça, c'est apparu dans les réponses. Vouloir agir et changer les choses, et un devoir vis-à-vis d'un pays, parce que plusieurs étaient à l'étranger et sont rentrés. On est dans un contexte où la Tunisie a besoin de toutes ses ressources, et elles sont allées pour ça. La deuxième question, est-ce que vous avez eu la solidarité de femmes ? Est-ce que vous avez été poussée par des femmes ? Et là, la majorité a dit pas particulièrement, mais j'ai deux témoignages très intéressants où vraiment, c'est un collectif de femmes qui a fait que la directrice, pour ne pas la nommer, est arrivée. Il y a eu carrément une action très très forte pour qu'elle puisse passer. Donc il y a vraiment une solidarité très très forte, mais deux ou trois cas uniquement. Le soutien familial, toutes disent que c'est très très important. Tout le monde n'était pas d'accord en interne, les enfants ou le mari ou la famille, pour qu'elles y aillent. Mais aujourd'hui, le soutien familial est pour elles quelque chose de très très important qui les a poussées à se présenter, même si beaucoup étaient sceptiques au début, mais et qui les pousse aujourd'hui à continuer. Maintenant, les difficultés, deux grandes difficultés qui sont des spécificités qui leur semblent être féminines. D'abord, la gestion du temps, la gestion de la vie privée et la vie professionnelle, ça revient très souvent. Et la manière de s'habiller, la manière de se comporter quand on est directeur et dans un poste de responsabilité où on est obligé de changer un peu certaines choses. C'est un témoignage qui m'a été rapporté, donc je vous le rapporte aussi crûment qu'il m'a été rapporté parce que c'est significatif. C'est significatif. Maintenant, pour récapituler, à la Manouba, on pense que ce n'est pas purement un hasard que des femmes se soient présentées. Qu'on ait eu une parité parfaite, c'est certainement pas calculé, ça n'a pas été concerté, donc forcément, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas prédéterminé. Mais s'il y a quelque chose qui relie toutes ces femmes qui se sont présentées, c'est qu'elles ont voulu changer les choses. C'est qu'elles pensent qu'une gestion féminine qui allie la fermeté, donc une fermeté, comme on dit, une fermeté dans un gant de velours, et
être actrice dans un moment où la Tunisie a besoin de toutes ces femmes et de tous ces hommes. Je vais juste finir avec les recommandations, j'arrête là, les recommandations qui sont sorties également des discussions aussi bien avec mes directrices et ce que j'ai vécu moi-même que ce que j'ai pu entendre dans la conférence. Il y a deux grands types de recommandations. Toutes disent oui, les femmes doivent y aller. Même avec l'expérience négative de certaines, toutes disent oui, je conseille aux femmes d'y aller. Mais au niveau individuel, il faut bien se préparer. Il faut une préparation mentale très particulière. Et il faut une conscience politique beaucoup plus importante que celle qu'ont beaucoup de nos étudiantes et beaucoup de nos jeunes filles. L'enjeu est très politique. Donc il faut se préparer, ce n'est pas facile d'y aller. Deuxième chose, il faut travailler beaucoup plus fort que les autres, que les hommes. Il faut, parce que votre performance sera décortiquée et jugée beaucoup plus que celle des hommes. Et les femmes l'intériorisent elles-mêmes. Donc elles savent qu'elles doivent montrer, et à une culpabilité originelle, et elles doivent à chaque fois montrer qu'elles peuvent y arriver et qu'elles peuvent faire plus, ce qui fait qu'elles sont des Wonder Woman parce qu'elles ne veulent lâcher ni la maison, ni le travail, ni les amis, ni rien du tout. Finalement, généralement, c'est vraiment... C'est exténuant, il faut être préparé et il faut savoir que vous allez travailler beaucoup plus que les autres. Troisième chose, il faut persévérer dans l'optimisme. Vous allez être démoralisé, vous allez être découragé. Et ça, tous les dirigeants vous le diront, mais les femmes encore plus. Il faut être optimiste et se lever de bon matin, dire « je suis là, je vais faire changer les choses, sinon ce n'est pas la peine d'y aller » parce que c'est parfois très très démoralisant. Il faut développer un système de soutien, aussi bien professionnel que personnel. Il faut avoir un mentor, quelqu'un qui vous aide. Il faut que vous soyez vous-même un mentor pour les autres. C'est important qu'il y ait un cercle vertueux et que ça se développe. C'est ça qui va faire changer les choses. Il faut solliciter des femmes autour de vous. Il faut protéger votre intégrité. C'est très important. Les femmes, elles y vont souvent de façon très naïve, souvent. Elles sont confrontées à une réalité. Il ne faut pas changer de valeur juste pour montrer qu'on est bon. Il faut continuer avec ses propres convictions. Croire en vous-même, soyez vous-même et n'adoptez pas un comportement masculin. Si on vous a élu, c'est parce que vous êtes des femmes. On ne va pas vous élire pour que vous deveniez des hommes. Pour les pouvoirs publics, trois recommandations. La première, augmenter l'attractivité de ces postes, qui pour l'instant ne sont pas attractifs du tout pour qui que ce soit. Si Ali ne voudra pas le contraire. Deuxième chose, il y a un grand problème en Tunisie sur la gestion en interne dans une famille. C'est très bien que les rôles sont encore très sexués entre hommes et femmes et il n'y a pas de soutien à l'extérieur. Et les hommes et les femmes aujourd'hui ont beaucoup de mal à élever leurs enfants quand ils sont dans des situations où ils n'ont pas autant de responsabilités. Que dire quand ils ont ces responsabilités-là? Donc ça, c'est une demande. Il faudrait que des systèmes de soutien soit développé pour permettre aux femmes de libérer du temps pour pouvoir donner autant que les hommes, pas plus, pas moins, pour des raisons autres peut-être, pour pouvoir changer les choses et pouvoir dire droit dans les yeux à une jeune fille qui a 20 ans, vas-y, tu peux changer les choses. Aujourd'hui, on peut le dire droit dans les yeux, mais en se disant, j'espère qu'à la fin, elle ne me dira pas, malamla. Voilà, merci.